Les amis, bonjour. Harry Mariette, on va parler du vol de montre. Voilà, je vous l'avais promis la fois passée. On va parler. J'ai mis comme illustration un gars qui s'était fait tirer sa Patek Philippe à 270 000 euros. On va parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, les gars, aujourd'hui, comment dire, j'ai fait le boulot. On va parler, un, quel type de montre? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à des sommes aussi extravagantes? Deux, pourquoi est-ce qu'on les porte? Trois, comment est-ce qu'on se les fait voler? 4. Comment est-ce qu'on évite le vol? 5. Pourquoi c'est une mauvaise idée, je trouve, d'avoir une montre de trop grande valeur? Alors, tout d'abord, je vais commencer avec les marques, les maisons horlogères les plus connues. Je ne vais pas en citer 25, mais bon, vous connaissez certainement Rolex, qui est la marque la plus connue. Ce n'est pas celle qui fait les montres les plus chères ou les mouvements les plus compliqués, mais bon, voilà. Alors, pourquoi est-ce que je parle de montres de luxe ici? Parce qu'il y a un lien entre la self-défense et personnellement, j'en possède quelques-unes et je suis un peu fanat du truc. Je vous expliquerai ça durant la vidéo. Il y a Rolex, il y a Patek Philippe, il y a Audemars Piguet, il y a Girard Perregaux, il y a Vacheron Constantin, il y a Breitling. Il y a Hublot, il y en a vraiment, 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 vraiment tout plein. Il y a Blancpain, il y a plein de marques de montres qui font partie de ces marques qui sont au-dessus du panier. Alors je te dis directement, Rodania, Festina et Casio n'en font pas partie, évidemment. Tu vas retrouver comme particularité dans ces montres, ce sont des montres qui sont dites mécanique automatique, donc il y a normalement rien, non il y a, sauf chez Breitling ou pour leur montre de quand tu es perdu dans une forêt, t'as un peu d'électronique, mais normalement t'as pas d'électronique dedans et tout est mécanique. Alors tu as tout différents trucs qui font que la montre peut valoir plus ou moins d'argent. Je vais te donner un ordre d'idée comme ça tu comprends. Une Rolex neuve d'il y a 15 ans coûtait 4 000 euros à peu près. Aujourd'hui, une Rolex neuve coûte, dans les modèles les plus connus, hein, en acier, la Pepsi par exemple, avec le bord rouge et bleu, va coûter entre 10 et 15 000 euros, en sachant que ces montres-là ont la particularité d'être plus chères en occasion que neuves. Je m'entends, c'est-à-dire que tu vas chez un bijoutier aujourd'hui, tu vas acheter une montre de grand luxe, tu as un temps d'attente qui peut aller jusque 2 ans. Tu veux acheter une Patek Philippe un peu à la mode, tu dois attendre 5 ans. Et donc, le gars qui possède la montre, qui est sans doute neuve également, va pouvoir te facturer 50, parfois même 100% de up par rapport à cette montre. Donc voilà, ça c'est, tu as un peu l'univers de la montre. Il y a des gens qui sont fanats de ce truc-là. Moi, j'aime bien, mais je suis pas fanat. Je suis pas le gars qui est en extase totale parce que tu as une montre de grande manufacture. Mais il y a des gens qui aiment bien. Comme il y a des gens qui aiment bien les voitures, comme il y a des gens qui aiment bien les vélos, comme il y a des gens qui aiment bien les sacs de ceci. Voilà, chacun un peu sa passion et voilà. Pour revenir au cas qui nous occupe, moi, j'ai pas de problème à ce que tu aies une montre de luxe. J'ai quand même un problème à ce que tu l'aies volé. Donc, comme disait Jacques Séguéla, si avant 50 ans, tu n'as pas ta Rolex, tu as raté ta vie. Oui, enfin, si, il vaut mieux que la Rolex que tu as, tu l'aies achetée plutôt que tu l'aies volée. D'accord? Donc voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on porte des montres comme ça? Alors, évidemment, il y a des gens dont ça fait partie. Tu es dans différents mondes quand tu fais partie des petits voyous de la street, tu as des baskets et un jogging. Quand tu fais partie des footballeurs,
T'as normalement une bagnole sportive super clinquante et en général également une montre machin. Et donc dans les sphères d'affaires, etc., il est bien vu d'avoir, l'homme normalement n'a qu'un bijou et d'avoir une belle montre. Ce que je comprends. Et cette montre va finalement te définir dans une classe sociale. Il y a un petit côté frime. Il y a un petit côté classe sociale. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont amoureux de ce truc-là. Moi, je respecte ça totalement. Il n'y a pas de problème. Tu es amoureux du truc, c'est bien. Maintenant, pense quand même à ceci. Tu as une montre qui fait. Je te parle pas du gars qui a reçu sa Rolex il y a 10 ans pour son anniversaire, ses 30, 40 ou 50 ans, qui n'a que cette montre-là, machin. C'est évidemment horrible s'il se la fait tirer. Ça, c'est vraiment horrible. Ça peut arriver. Je vais vous raconter quelques cas après. Mais imaginons maintenant que tu sois là et tu aies une montre qui vaut, comme dans l'exemple que j'ai donné dans le titre de la vidéo, 50, 75, 100, 150, 200. Il faut savoir qu'il y a des Patek Philippe qui vont à plus d'un million, hein. Donc, il n'y a presque pas de limite. Il n'y a presque pas de limite. Tu te balades avec une montre qui vaut 200 000 euros en plein Paris, en plein Bruxelles, en pleine capitale. Pourquoi je dis en pleine capitale? Parce que les capitales ont ce fort d'avoir des gens qui sont en général très aisés, qui fréquentent des gens autour d'eux qui sont dans la misère. Et le gars qui est dans la misère, qui est un petit peu smart quand même, qui connaît la valeur de ce truc, ben il se dit, ben, j'ai 200 000 euros qui se baladent au poignet de ce gars. Tu es dans certains pays d'Afrique, on te coupe la main, on discute pas. Donc, perso, voilà, tu as déjà compris ce que j'en pense. Avoir une chouette montre, je le comprends. Avoir une montre qui est plus chère qu'une bagnole autour de ton poignet, c'est une idée quand même un peu moyenne, je trouve. C'est même plus que moyen. Et encore une fois, dans ma vie professionnelle, vous le savez, j'ai un business de costumes sur mesure. Moi, j'ai des clients qui viennent en Rolls avec des Richard Mille à 150 000 euros. C'est lié. Le gars, il a une Rolls, il a une Richard Mille, c'est lié. Il vient, il dépose sa bagnole, machin. J'ai d'autres gens qui viennent, il y a un chauffeur, le gars s'arrête, bam, il vient et le gars aussi a une montre de 200 000 balles. Bon, mais c'est des gens qui normalement sont dans une bulle. C'est pas des gens qui se déplacent dans la rue, etc. Donc, faites attention. Il y a ce petit côté, si tu te fais voler un sac à main ou un ordinateur dans la voiture, je parle de la police belge ici, et qu'on découvre que le truc était mis en grand et au vu et au su de tout le monde dans la voiture, et qu'on a cassé ton carreau pour te le piquer, tu auras également une amende. Parce qu'il y a une incitation quelque part. Et je trouve que, je ne vais pas dire qu'avoir une montre de luxe est une incitation à ce qu'on la vole, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il faut être en lien avec son temps, avec son époque et avec son endroit. C'est-à-dire que si tu te retrouves à Barbès avec une montre de 200 000 euros, ou tu te retrouves à Molenbeek, à Bruxelles avec une montre de 200 000 euros, t'es pas en lien avec l'endroit. Il va t'arriver des problèmes, je te le dis. Il va t'arriver des problèmes. Tu as une montre qui vaut 500 000 euros, tu es à Monaco ou à Beverly Hills, ben, il t'en aura pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Alors, comment est-ce qu'on se fait tirer sa montre? Le truc le plus simple, moi j'ai un de mes élèves qui vient chez moi, il est avenue Louise, une avenue assez fréquentée, 3-4 gars le suivent depuis un moment, et à un moment, simplement, le gars court, et avec ses ongles, il vient pour arracher, donc il a dans le but de casser le bracelet, casser le bracelet. Ces gens ont évidemment une filière de vendeurs, revendeurs, arrangeurs, etc. Il casse le bracelet, il pique la montre et il se casse. Chance pour le gars qui ensuite est venu s'entraîner, chance pour lui, il a su retenir le gaz, finalement on lui a pas volé sa montre. Par contre, un autre sorti de boîte, 4 heures du matin, quelqu'un vient, il lui demande du feu, il a sa cigarette, le gars présente le feu, il y a un peu de vent, il met pour cacher le vent, au moment où il lui présente le feu, hop! Il lui a piqué la montre, il s'est enfui, il a couru, c'était terminé. Si vous remarquez les présentateurs télé en France, par exemple, vous allez voir, beaucoup de gens mettent leur montre au poignet droit. Pourquoi?
Il y a eu toute une série de vols, je parle de, il y a déjà une vingtaine d'années comme ça, de montres, justement. La clim n'était pas aussi autant fréquente dans les voitures, donc il faisait chaud, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu descends, enfin, je vois encore comme ça, tu descends ton carreau, tu mets ton bras comme ça, les gars passent en scooter, le gars derrière, hop, t'as compris, il te tire ta montre. Les gars ont compris, donc maintenant il y a la clim, donc maintenant les portes sont fermées, il n'y a plus de soucis. Qu'est-ce qu'ils font? Exactement la même idée, ils viennent, en moto, ils accrochent ton rétroviseur. Toi, ce que tu fais, puisque ton rétroviseur est comme ça, donc ils sont à deux. Hein. Le gars, il y en a un à moto, il accroche. L'autre, donc toi, tu es bloqué évidemment dans la file, hein, comme toujours. Le gars se casse avec sa mobylette. Le rétro est comme ça. Qu'est-ce que fait le gars? Ben, il descend sa vitre avec sa main gauche. Il veut remettre le rétro là. Au moment où il a descendu sa main, on va lui tirer sa montre. C'est la raison pour laquelle pas mal de gens maintenant mettent leur montre à droite. On a également eu un vol à Paris il y a quelques semaines, je pense, où on a vu dans les journaux, le gars est venu avec un pistolet en pleine journée à braquer 5 personnes et leur a volé leur montre. Donc ça arrive. Et le pire de tout, c'est, et ça a eu lieu à Bruxelles également, c'est le gang qui venait, le gars il vient à l'arrière, il te fait un mataleo de jiu-jitsu brésilien, donc il t'étouffe, tu perds connaissance, et là il te pique ta montre, et il te pique ton portefeuille, etc. Alors, quelques conseils les amis, et là on va rentrer dans la partie self-défense, quelques conseils pour éviter de te faire tirer ta montre. Premier conseil que je te donne, ne la porte pas ou porte-la lors d'événements ciblés. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, que ce soit en ligne avec l'endroit, le moment, etc. Tu sais que tu ne vas pas être dans des sales quartiers, tu sais que tu ne vas pas être un moment tout seul dans la rue, etc. Tu sais que tu vas à l'opéra, machin, il y a un parking en dessous, ton niveau de risque est relativement faible, ok. Mais sinon, dans ta vie de tous les jours, le porter, je trouve que c'est une idée assez moyenne. Encore une fois, si tu as une montre qui vaut 5, 10, 15 000 euros, ok. Je te le souhaite d'ailleurs, ok. Si tu as une montre qui vaut 10 fois ce prix-là, c'est pas intelligent de le faire. Une autre chose, c'est tu as ta montre à ton poignet, ne pas hésiter quand tu vois que l'endroit n'est pas top, tu l'enlèves, tu la mets à l'intérieur de ton veston et c'est bon. On ne voit plus ta montre. Donc ne provoque pas les choses. Ça, c'est des choses de base. C'est des choses de base. Ça, c'est du Krav Maga de base. Une troisième chose qui peut paraître rigolote, mais qui est malheureusement réelle, c'est quand même mieux d'avoir le gabarit qui est en ligne avec la montre. Je prends un exemple. Si tu as une montre à 50 000 euros, mais que tu fais 42 kilos en sortant de la douche, tu as compris que tu auras plus d'emmerdement que le mec qui a le même type de montre, mais qui en fait 120. Ça, c'est de la logique pure. Si maintenant, on t'arrache ta montre, si on t'arrache ta montre, le conseil que je te donne, c'est pas d'aller bloquer ici. Évidemment, c'est le premier conseil qu'on a en tête, c'est on prend ma montre, je vais mettre mon autre main ici. En faisant cela, tes deux mains sont là, ton visage est complètement libre, et le gars qui est en train de voler ta montre, ce qu'il risque de faire, c'est évidemment de te puncher au visage. Ce que moi je ferais si tu fais ça, au moment où tu es ici, moi je vais te puncher directement. Et donc, le voleur qui a ses deux mains sur mon poignet, moi je vais le frapper au visage. Alors évidemment, une frappe au visage, tu peux avoir un chaos direct, mais en tout cas, il va être moins focusé ou moins concentré, parce qu'on va encore dire que j'ai des anglicismes, il va être moins concentré sur le fait de t'arracher la montre plutôt que de le fait d'éviter de se faire péter la gueule. D'accord? Encore une fois, si on doit te casser deux dents, le nez, les yeux pour une montre, donne-lui la montre, hein, copain, sois pas idiot, hein. Donne-lui la montre. Maintenant, il y a le caractère de chacun. Moi, je ne suis pas convaincu que si tu viens m'agresser, je vais te donner ma montre. Hein. Je te préviens. Voilà. Tu pourrais essayer de la prendre, mais alors là, c'est à tes risques et périls. Ça, c'est certainement dans la condition où je suis, pas grand-chose à perdre. Donc, c'est à tes risques et périls. Tu viens me tirer ma montre, je peux te dire que ta vie est quand même un petit peu en danger. Si maintenant le gars vient, est armé, bon, ton niveau de choix, il est zéro. Hein.
tu lui donnes ta montre. Tu lui donnes ta montre. Faut pas aller faire. Le gars, il sort une arme à feu. Encore une fois, si tu es un expert en Krav Maga ou un expert en self-défense, tu peux peut-être tenter quelque chose. C'est le seul cas. C'est le seul cas. Tous les autres cas, même si tu es un expert en boxe thaï, machin et tout ce que tu veux, tu lui donnes ta montre parce que ça a qu'un crochet. Peut-être que tu le mets KO, mais peut-être pas. Et si tu le mets pas KO, il risque de te tirer dedans. Et là, encore une fois, ta peau, ta vie, ça vaut plus qu'une montre. Maintenant, au niveau de l'étranglement, même idée. Si quelqu'un vient t'étrangler, perds pas du temps à essayer de sortir. Frappe, 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 frappe au génital, etc. Et ensuite, fous le camp. Conclusion. Porter une montre de grand luxe est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Pourquoi ? 1. Tu risques de te la faire tirer. 2. Si on essaie de te la voler et qu'on réussit ou pas, t'es à l'agression, t'es au coup, c'est des emmerdements, tu vas ramasser des coups. Mais surtout, dans la vie de tous les jours, la chaîne que je représente et d'autres, hein, on parle de self-défense. Imagine un petit peu, je porte ma montre à mon poignet gauche. Ça veut dire que avec ma main gauche, je défends les attaques qui viennent de droite. Yes ? 85% des gens sont droitiers. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose, je vais travailler essentiellement pour défendre avec ma main gauche. Imagine que j'ai une montre de 50 000 euros au poignet. Ça va mentalement me freiner pour aller bloquer ou pour aller frapper. Je ne vais pas aller mettre une gauche à fond de caisse en me disant ben super, je vais toucher, et puis regarder ma montre qui s'envole et 50 000 euros qui sont dans les airs. C'est quelque chose qui n'est pas top. Donc, personnellement, les amis, j'ai des montres de luxe. Elles sont dans un coffre à la banque. Elles ne sont même pas chez moi. Elles sont dans un coffre à la banque. Je vais en vacances avec une Seiko, avec une ZRC. C'est une montre. Si vous voulez acheter des montres, regardez cette marque, elle est extraordinaire. ZRC, trois lettres. Et basta. Voilà, je ne vais pas avec des montres qui coûtent 10 milliards, non, quelques centaines d'euros, 2-3 000 euros grand max. Et comme ça, quand je suis en vacances ou quand je suis à l'extérieur, si je la cogne, si on me la vole, quoi qu'il se passe, ce n'est pas très grave. Je vais résumer la vidéo ici. Il n'est pas intelligent de se balader avec une montre de très grande valeur au poignet dans une ville, dans une capitale ou dans une grande ville. Ce n'est pas intelligent. Tu n'es pas en lien avec ton endroit si tu fais ça. Je peux comprendre que tu l'es, mais si tu as ce type d'objet, qui est très beau, hein, il n'y a pas de problème avec ça, si tu as ce type d'objet, essaye de le porter quand ça doit se porter. J'ai envie de te parler d'un smoking. Je ne vais pas mettre un smoking pour aller faire mes courses au supermarché. Mais par contre, si je vais à une première et que je suis invité ou que sais-je, peut-être que le smoking est adapté. Yes ? Les amis, faites gaffe à ça parce qu'il y a une crise. On a aujourd'hui une crise sanitaire. Qui va débouler, on le sait tous, sur une crise financière qui va débouler sur une crise économique. Et quand il y a une crise économique, ceux qui n'ont vraiment pas, ben parfois ils sont prêts à tout pour prendre à ceux qui ont. En Afrique du Sud, il y a des gens qui se font tuer, littéralement, j'ai des amis en Afrique du Sud, ils sont tués pour quelques dollars, quelques euros, parce que les gens n'ont rien et que le coût de la vie, ben, il équivaut à rien. Donc, les amis, encore une fois, ce sont de beaux objets. Faites attention, évitez ça. Et j'ai envie de dire que la partie préventive du Krav Maga est cette fois-ci plus importante là-dedans que la partie effective du Krav Maga. Bye bye.